Cobel Bakli, qui est financé par le secteur privé gabonais, en tête desquels le lait Cobel et des entreprises locales telles que la Sobraga et Gabon All Company, permet à des jeunes en fait d'être dans un premier temps occupés et nous permet également de mettre en place des projets de formation, des projets d'accompagnement, notamment dans le cadre des réseaux sociaux comme nous le faisons avec Canal Plus Gabon, pour aider les jeunes à utiliser les réseaux sociaux de façon responsable. Donc nous sommes ici dans le cadre de la 6e édition à Port-Gentil. Nous serons là pendant 4 semaines. Il y aura 9 établissements qui participeront avec 12 équipes filles et garçons. Ça va être pour nous l'occasion à la fois d'initier les jeunes au basketball, de vulgariser le basketball, parce que je tiens à préciser que nous sommes dans une situation dans laquelle mondialement le basketball prend la deuxième place, mais au Gabon il est en train de régresser. Et c'est quelque chose qui nous attire, c'est quelque chose qui nous pose un petit problème, c'est la raison pour laquelle avec l'appui de la Fédération Gabonaise de Basketball, que je tiens ici à respectueusement saluer et à remercier pour le soutien qu'elle nous apporte, souhaitons rassembler les coachs, les encadreurs et également les établissements afin de détecter le maximum de jeunes qui soient intéressés par la balle orange et mener des actions qui soient positives et qui soient au profit de la jeunesse gabonaise. La Cobel Back League vient s'ajouter, sinon se compléter au projet de la Ligue qui n'était autre que l'ouverture de sa saison sportive. C'était un tournoi, j'ai envie de dire, traditionnel parce que mes prédécesseurs avaient déjà pour coutume d'organiser, sinon d'ouvrir la saison avec le tournoi inter-établissement. Donc quand Cobel Back League arrive, ça vient simplement à point nommé pour renforcer. Nous accompagnons Back League du fait qu'elle renoue avec une croissance d'activité dans les milieux scolaires. Le milieu scolaire étant le vivier de tout sport. Et nous sommes, très émus de son accompagnement. Non, nous serons présents dans toutes les provinces aujourd'hui. Ce que nous ferons, c'est qu'au total, nous distribuerons 500 ballons de basketball pour toutes les différentes clubs et associations. Nous essayerons de voir comment est-ce que nous pourrons réhabiliter certains plateaux sportifs dans les provinces. Parce que je tiens à préciser que depuis que BAC a lancé ses activités, nous avons déjà réhabilité plus de 22 terrains de basket. Et à Port-Gentil, nous avons distribué aujourd'hui 80 ballons. Nous avons offert 80 ballons à la Ligue de l'Ogoué-Maritime afin que ces ballons soient distribués aux établissements, aux lycées, aux établissements, aux collèges, aux lycées, aux associations, aux clubs qui pourront former des minimes cadets afin que d'ici quelques années, 2-3 ans, nous aurons des clubs qui soient à la fois compétitifs sur le plan national, également sur le plan international.